Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne et dans lequel nous allons faire de la Russie notre état fantoche. Alors, on s'est arrêté sur le dernier épisode, on avait fantochisé l'Empire Ottoman et l'Égypte. Voilà, donc, vous savez, j'ai trouvé mon nouvel objectif, on va fantochiser au mieux les pays là qui sont là. Donc, les pays au rang de puissance importante. Voilà, de puissance importante. On va annexer le plus rapidement possible les autres. Et on va essayer d'avoir le plus de territoire possible sur dans le monde. Ça y est, j'ai trouvé mon objectif, je suis content. Là, c'est bizarre, j'ai redémarré le jeu, mais il est toujours un peu bugué. C'est un peu embêtant, ça. Voilà, voilà, voilà. La Belgique nous a mis son embargo. Et bon, bah, tout pays qui viendra nous embêter. On ira lui casser les dents, quoi, faut pas déconner non plus. On va essayer de faire une grosse Allemagne, une grande Allemagne. Très grande Allemagne. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça. Plus tard, peut-être. Ah oui. Fallait relancer un petit peu l'économie. Ça c'est bon. Allez, je vais en faire. Par contre, c'est plus du tout. C'est en Elbe. Je crois que c'est en Elbe. Ouais. On va faire. Le double. On va doubler. Bonne question. Est-ce que j'ai ce qu'il faut en... Pardon, d'infrastructure. Oui. Le vert, le vert, le vert, le vert. Oui, j'avais un petit problème de teinture si je me trompe pas. Oh, je me trompe apparemment. Quoi? Ouais. Mais c'est où la teinture? Ah c'est là, non mais c'est bon. Et donc j'ai plus de problème de teinture mais j'ai quand même des problèmes de production de verre. Donc on va refaire des verreries. Voilà. J'ai beaucoup de paysans en Brandebourg, j'en profite. Paysans sans emploi, slash sans emploi. L'Ukraine soutient aussi. On aura tout vu. On aura vraiment tout vu. C'est pas grave. Bon, c'est bon. Merci. C'est pas grave, on va annexer. On va les annexer aussi. Le Mexique, on va les annexer aussi. Voilà, tous ceux qui voudront soutenir notre voisin sera annexé. Surtout qu'ils faisaient partie de, ils font partie de mon marché en plus, c'est cool. Bah ils faisaient partie de mon marché. Bon, ils ont accepté notre coup diplomatique. Ah, je suis content. Je suis content de ma bêtise. Moi. Alors, ouais, bon, je peux déclarer beaucoup de colonies là. Toujours en Océanie, ça m'intéresse pas. Enfin, plus tard. Eux, bah ils ont quitté le. Ah même pas, ils ont pas quitté l'union douanière. Mais ils ont pas quitté l'union douanière, mais ils ont voulu m'embêter. Bah ils ont voulu m'embêter, donc bah faire un pays fantoche. Hein, c'est. Oh la France, tu viens, toi, tu sais ce qui va t'arriver, mon ami. Hein. Tu sais très bien ce qui va t'arriver. On va te libérer l'Occitanie, ça va te faire du bien. On va libérer la Bretagne. Non, pas la Bretagne. Non, les Bretons. Ce serait trop embêtant à reprendre après, en fait. Ok. On va faire quelques saves. Voilà, en soi, in-game, j'ai un peu moins de 60 ans pour conquérir le plus possible. Mais ça va très vite. On va faire un pays fantoche. Hein. Voilà. Voilà, qui va venir les aider? Pas grand monde. Voilà. On va établir un peu l'ordre des choses, faut pas déconner.
sur chaque front, on va aller chercher. C'est pas ma faute, moi en plus. J'étais gentil et tout avec eux. Mais ils ont voulu venir contre moi. Bah écoute. Bah, c'est comme ça qu'on. C'est comme ça qu'on fait ce qu'il faut. Hein. C'est comme ça qu'on. Qu'au bout d'un moment on n'a plus d'ennemis quoi. Je leur dis les gars, c'est pas une bonne idée ce que vous faites. Les portes de chasse à la baleine, c'est vrai. Non, on va faire hop, pétrole partout, j'ai pas le choix, même si j'ai pas assez de travailleurs. Rivalité rompue, rivalité rompue, ok. Les moteurs sont chers. En faire. Ah non, on peut pas en faire Wittenberg, en gris central. Peut-être pouvoir en faire une dizaine, ouais. Les outils sont chers également. Est-ce que j'en ai fait? Non. On va en faire en béquet. Et je vais avoir besoin de voies ferrées. Pacte diplomatique. C'est sympa tout ça. C'est très sympa. Je pense qu'on a déclaré comme rivaux. Est-ce qu'ils sont soutenus? Non. Bon. Je ne devrais pas m'embêter plus que ça. J'ai fait des. J'ai fait quelques casernes. Est-ce que. Ouais, au niveau des munitions, c'est ce que je pensais. Je vais rajouter 5 usines de munitions. Notre ennemi, la Grande-Bretagne. Bonjour notre ennemi. Bon non. Enfin pas à ma connaissance. Ouais c'est bizarre ça. Ok. On va annexer je pense la Moldavie, la Serbie, etc. avant quand même. Ben voilà. On va annexer les sujets. Faut pas déconner. Ouais, bon, évidemment. On va avoir 36 000 pop. Ok, non. Oui. Allez. Et oui. Voilà. Héritier né. George von. Libéral de marché. Attends. Ah ça y est, l'autre il est mort, enfin. Libéral de marché. Le nom est juste génial, ça me fait trop rire. Et ça, toujours pas d'affaires intérieures, zut. Pas le choix. Tripolitaine. Non, on pourrait partir comme ça là. On va les laisser là un peu s'incorporer ces territoires ici. On n'est pas loin du milliard de PIB. Hein. Par contre, je perds toujours de l'argent. Salaire gouvernementaux. Hein. La France soutient. Oh, on te mignon. Oh, gousi gousi. T'es sûr de toi hein. T'es sûr de ta connerie, toi. Bon, libérer le pays. On va libérer l'Occitanie, voilà. Le couillon. Quel couillon. Je pourrais prendre l'Italie aussi. Hein. Pourquoi l'Italie? Parce qu'ils sont assez forts. Paria 571. Non, non, je proteste, il n'y a aucune preuve. Non, non, moi j'ai rien vu. Moi. Regardez-moi ça. Ah! J'ai oublié. On va prendre le port de traité.
reprendre ce bord de traité quand même. On lui avait donné il y a quelques années. Par notre grande bonté. Je peux pas libérer le pays, hein. On peut faire transférer un sujet? Le Brésil! Ma Brésil. Brésil. Les sambas. Oui, c'est bien. Non, là, c'est pas intéressant. Transfère un autre sujet. Le sambas, allez. Vous me transférez les sujets, là, si la France, elle veut se battre. On va se battre. Il y a du monde. Ah, quand même, mine de rien, ils sont pas non plus faibles. France-Grande-Bretagne. On est sous embargo, c'est vraiment pas un problème. Ouais. Charbon, hein. Va falloir. Je sais pas où. Alors, le niveau de mes usines de charbon, c'est indécent. Ah, l'involution là, c'est pas moi. Bon, j'ai l'Empire Ottoman à côté, hein, il va s'en charger. Non, il s'en charge pas. Moi, je vais lever un général. Là. Recruter un général, je veux dire. Ok, général Allemagne. Ouais. Samedi, oula. Non. Alexandre von machin là, voilà. Pas besoin d'être énorme en plus, pas besoin d'être beaucoup, je veux dire. Hop, on va recruter un autre. Hein. Attends, tout le monde tue. Ouais, c'est là, non. Danube, oui. Prendre un Junker. France Conrad. Vend de machin, j'ai oublié le reste, vend de truc. J'arrive pas à voir ces vend, mais après j'arrive pas à voir. Rouillez vers l'or, oui, faites passer le mot. Les îles du sud, nice. Bon, il veut vraiment pas abandonner lui. Hein. Il va vraiment aller jusqu'au bout. Là. Tu es très inquiet mon ami, hein. Tu sais que t'as aucune chance. Ça me permettra de venir à bout de la France. Enfin, pas à bout, mais... De bien lui faire mal un peu. Donc. Franco-Allemagne. Du 2 janvier 1878. France, Moldavie contre Allemagne. Russie, Finlande, Serbie, Empire Ottoman, Malachie, Oman, État de trêve, Égypte, Ukraine, Darfour. Voilà. Donc tu es sûr. Tu es sûr là. De ta bêtise. Comme tu le souhaites, comme tu le sens. Le rêve, ce n'est pas si grave. C'est une question d'or. Voilà. Ah, j'aurais peut-être pu reprendre le port de traité. Oh, Bonjour. Ouf, le petit coup de la gueule, voilà. Vroom, vroom. Voilà. Quand allez-vous, les gars? Le TULC. Ah, les TULC, mais non. Vous êtes loin, les mecs, hein. On va recruter un autre général. Il n'y a pas trop le choix, hein. Donc, QG Nord-Allemagne, on va recruter un Junker. Hop. On va envoyer, ça devrait suffire. Oui. La colonisation de Patagonie est terminée. Ah, très bien. Je peux pas en établir d'autres. Non, mais je peux incorporer l'État. Voilà. Je vais utiliser également mes navires pour faire
Quelques invasions navales. Hein. Oui, ouais, c'est bien, Poitou, hein. Pays de la Loire. Et. En Normandie, voilà. Là, il n'y en a que deux pour défendre ça. Ils seront pas assez nombreux. Là, est-ce qu'il y a... Ok, là, je suis sûr qu'ils doivent attaquer ici. Hein. Voilà. C'est pas moi qui ai attaqué, ça se voit. C'est moi qui attaque. Normalement, j'ai un peu plus de dégâts que ça. C'est toujours pas moi qui attaque, hein. J'ai pas le droit d'attaquer, apparemment. C'est pas grave. Ah, bah on est là-bas. C'est pour ça aussi. Ah oui, il se fait piquer du territoire, ce coup-là. Allez, on va aller lui reprendre. Est-ce que c'est bien moi qui ai le droit d'attaquer? Oui. Ouf. 131 pour 60. C'est pas mal. Un mois de trajet. Allez. On va devoir relancer des constructions. Quelques explosifs. J'en avais pas à notre endroit. En Bohème. Allez. Oula. On va refaire quelques referrés. On est bientôt au milliard. Là, il est révolutionnaire. Pareil, je vais les annexer. Hein. Le problème, c'est que après. Je peux pas déclarer de guerre quand je défends un de mes sujets comme ça, par exemple. Ce qui est pas bon du tout. Bon, là-bas. Oh! Il y a des navires à vapeur. C'est du mieux. Il y a des cuirassés. Moi, ça se passe comment, là? C'est toujours pas moi qui attaque. Hein. Là-bas, ça a été gagné. Alors, on fera tomber... son petit port. Normalement. Ah. Oh, j'avais pas vu. Oh bah, oh bah. Double débarquement qui fonctionne bien. Hop là, Paris est tombé déjà. Qu'est-ce que... Ah, ils arrivent, ils font un débarquement sur le débarquement, c'est marrant ça. Alors... Par contre, pas au même endroit les mecs. Oh bah la France. Hop, là ça prend. Pareil, hein, ils veulent tous être au même endroit, c'est fou. Hein, je sais pas ce qu'ils ont. Toi par contre là tu vas juste. Oh coucou, t'as du monde là. Oui, oh bah c'est bon, regarde. Hop, putain, allez. Dispersez-vous les mecs. T'as pas besoin d'être 50 000 au même endroit. Veleche. Ok, ça c'est au sud de l'Amérique du Sud. C'est parce qu'on est en train de coloniser, mais ça c'est pas un souci. La Moldavie a accepté d'être annexée, ce qui fait que on a tout ce territoire à nous. On a plein de plateformes. Yeah! On manque d'infrastructures par contre. Voilà. On va faire 6 voies ferrées, pas trop de choix. Voilà, puis bon bah Paris va tomber très bientôt quoi. Là-bas, bon, normalement, ils sont censés enchaîner les victoires. Ah mais c'est vraiment mini morceau de territoire par mini morceau de territoire. Ouais, c'est petit bout par petit bout. Hein. C'est mieux là-bas, ça va un peu plus vite apparemment. Ouais. Là-bas, ça se passe bien. On conquit pas forcément, mais au moins on a Paris, quoi. Ah.
toujours un problème de verre. Hein. À qui j'en exporte? Vers le marché français? Ah non, zéro, voilà. Écoute, Brandebourg, hein. Brandebourg, vous savez quoi faire, hein. C'est reparti. J'avais vu, je crois, quelques faibles accès au marché. En Saxe, effectivement. En Katanga, effectivement. En Kassai. Et B. En Équateur. En Équatoria plutôt. En Équateur. Et voilà. Là, se tomber tranquillou. Avoir un bon territoire. Agriculture inefficace, ça sert à nos objectifs. Pas besoin de plus. Voilà. Et ça, c'est à nous. Oh, il y a un petit morceau du Chili, ils sont mignons, on ira les chercher. Voilà, moins 30 pour la France, ils nous ont déclaré comme pays rival. T'inquiète. C'est ce qui va t'arriver. Et on ira peut-être même annexer l'Occitanie, hein. Parce qu'ils sont assez forts, mine de rien. La France 3ème avec un PIB de 70 millions. Si on leur retire l'Occitanie, ça leur pique un peu le fiac. PIB 70 millions, population 43 millions. C'est très long, mais ça va le faire. Les Anglais, ils ont compris ce qu'il fallait pas faire dans cette partie. Ils se sont dit, on va pas les mettre en colère. Là où ils sont, enfin, à part là. On va dire, on va pas les mettre plus en colère. Mais ils font bien. J'ai besoin de vêtements. En Vénétie. On va faire hop, ça. Alors, on a annexé les Teoleche, ce qui fait que là on a la Patagonie en entière. Oui, en entière. Ah, mais non! Ah, et la France qui a accepté, mais j'ai cliqué pile au même moment, zut! Bon, bah, la France qui est devenue France plus Occitanie. On lui retire 10 millions de péons, 10 millions de PIB, une bonne partie de ses troupes. Je suis en trêve jusqu'en 83 avec les deux. Bon, par contre, ouais, ils ont pris un gros coup, là, ils sont devenus quatrième. L'Italie! Comment ça je peux pas les prendre là? Diplomatique. Ah d'accord, oui c'est parce que je suis encore en guerre là, contre là-bas. Là. Bon, allez. On va y aller tout le monde. Faites plus vite que ça. Bon petit taux d'alphabétisation. On perd encore d'argent par contre. Ça fait longtemps qu'on perd de l'argent. Et j'aime pas ça en vrai. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de créer un. On va créer quelques impôts. Hop. Ça nous en fera perdre un peu moins. Qu'est-ce qui me coûte cher? Salaire gouvernementaux, hein. Oh la vache. Les administrations qui me coûtent. Et qui me coûtent une blinde et qui sont pas assez efficaces, c'est ça le pire. Ah oui, mais j'ai du gaspillage fiscal, bah ouais, c'est pour ça. Ok.
On va faire. On va faire des administrations. Hop, 10 ici. 10 ici. Et. 14 ici. Allez, voilà. Ça devrait régler le problème pendant un moment. Au moins. Aider à aider le problème. Je sais pas si. Si c'est très clair, à mon avis, non. Améliorer le problème. Voilà, eux ils nous embêtent. Hein. On va vraiment les. Allez les chercher. Hein. Peut-être le Nedge aussi, comme ça au moins on sera sûr. Tout ce qui est Nedge, Valachi, Serbie. Tout ça, tout ça. La répercussion. Oh, vous m'énervez, hein. Attends. Moins 2 pour les industriels. Les industriels sont à 10. Moins. Non, hop. Oula, attends, non, par contre. Le gouvernement, il est pas ouf, là. Ah, il est rural. Ouais, bon, on va le réformer. Hein. J'ai pas vu. Hmm. Ça, ça m'intéresse pas. Peut-être ça qui peut m'intéresser. Allez hop, on va faire ça. Ah oui, bah ça va mieux direct au niveau des du soldat. On a atteint le plus de 100 000 de population, c'est bien. Eux, c'est bientôt fini. On ira les chercher direct. Hein. Rien à faire. Le temps va se tenir. Oui, Broden, hein. Écoute. Combien la famille là? 612, ça va. Ça va, j'avais atteint, je crois, les 700 avec la France, non? Histoire qu'on ait plus d'autres problèmes, parce qu'en général quand on a une fois un problème. Ah. C'est pas cool. Là pareil. Ah. Je suis obligé d'attendre. En espérant que ça pose pas de problème. Mais si on allait sur l'Italie du coup, hein. Oui. Oh la France, tu veux vraiment revenir? Oh Gouzi Gouzi, t'es sûr de toi là? Bah écoute, si tu veux revenir à la France, tu vas revenir, hein, mais. Bah, je vais te casser un peu plus là, parce que là par contre je vais te bouffer un morceau, je vais te prendre l'Alsace-Lorraine. Hein. Je vais clairement te bouffer un morceau là. Hop, on confirme. Les Lucs, ils veulent plus. Ah, j'ai personne ici, ok. Hop, bah, c'est pas grave. On va aller chercher autre part. Oh, bonjour. Oui, lui c'est bon. Bonjour, bonjour. Eux aussi c'est bon. Bonjour là-bas. Il y en a un petit là-bas, allez, on va l'envoyer quand même. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Qu'est-ce que je pourrais lui déclarer comme pays rival? Oh, je t'ai libéré il y a un instant là, tu vas même énerver. Hein. Libérer le sujet, libérer l'Italie, quoi? Ah, d'accord. C'était un sujet de la France. J'aurais peut-être dû faire transférer le sujet. Changement de régime. On va les foutre dans le caca hein, si on fait ça. Mirer le pays, je sais quoi. Ça m'intéresse pas en vrai. Conquérir l'état, par contre, ça m'intéresse. De me donner l'Alsace-Lorraine. Voilà.
Si, changement de régime, ça va les foutre vraiment dans le caca. Donc je vais leur demander ça. Prendre le port de traité en trace, il me faudrait le port de traité de Thrace du Nord. Voilà, comme ça, là ils m'en laisseront plus. Je vais prendre Zanzibar. Conquérir d'autres. La Nouvelle-Guinée. C'est pas assez. On va demander des réparations. Hop là. La séparation totale. Oh, séparation totale à 19,2, ça passe du premier coup. Sympa. Voilà. Comme ça, à mon avis, les gens ils se plaindront moins à ce niveau-là, quoi. Hostile. Oh. J'ai quoi? J'ai 926 d'infamie. Une race radicaliste. Ok, je vais pouvoir aller sur les pays au sud aussi après. Allez, on va juste voir s'il accepte ou pas les conditions. Ah, petite Italie. On va voir. Ok. Ouais. Non, ils sont pas assez nombreux. Non plus. Allez, hop. Ah, il est déjà en train de se battre contre l'Angleterre en plus. Ah, il y a l'Angleterre qui fait un débarquement à côté de Naples. Ah. Ah mais non. Ah, ça me fume. Il est en train de gagner en plus. Bon. Merci l'anglais. Il nous aide l'anglais, mine de rien. Regardez, il a pris Naples. Oh là là. Par contre, je sais pas qu'est-ce qu'il vise à avoir. Humilier la France. Conquérir à Bruse. Ah non. Ça c'est hors de question par contre. Je te dis ça va mal se passer hein, si tu fais ça. Italie a renoncé. Et voilà. Italie est à nous. Bon bah parfait, parfait. Un bon épisode, écoute. On aurait fait un très bon épisode. La carte gagne en couleur. Et on continuera à en faire gagner, à propager cette couleur, on va dire. Enfin, c'est bizarre un peu dit comme ça, mais il n'y a pas tout entendu. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver tous les lundis, les mardis, les jeudis à 11h pour les épisodes de Let's Play, les vendredis à 15h pour les épisodes de Let's Play narratif, et de temps en temps le mercredi et le week-end pour les épisodes spéciaux. Je vous dis à très bientôt, c'était Thiom. Ciao!